Salut, bienvenue sur la chaîne Speed Cooking. Aujourd'hui, pour la première fois, vous m'entendez parler. C'est à cause de Célie, des tutos de Célie, qui m'a dit que ce serait bien que je raconte un petit peu ce que je fais. Donc voilà. Alors hier, nous sommes allés à Torroella de Montgrí, à côté de Pals, en Espagne, sur la Costa Brava. Et j'ai acheté un calamar entier, que voici, parce que j'adore le calamar et je voulais le préparer moi-même. Donc voilà la bête. Alors, j'ai jamais nettoyé ce genre de choses. On va bien voir. Donc, il y a le corps. Il y a la tête avec les yeux qu'il faut que j'enlève. Quelque part, il doit y avoir un bec. Truc dur. On va bien finir. Ah ouais, ça, c'est dur, là. Ici. Et des ailerons. Voilà, les ailerons. Donc, voilà. On va essayer de dépecer cette bestiole. Donc sous un petit filet d'eau froide, je vais tâcher de détacher la tête du corps. Alors je coupe un peu avec mes doigts, je tire, voilà ce qui sort. On peut voir ce qu'elle a mangé. J'adorais faire ça quand j'allais à la pêche. Ensuite, il faut nettoyer l'intérieur et l'extérieur. J'ai vu qu'il fallait arracher les ailerons, comme ça en passant son doigt. Hop. Et en même temps, on enlève cette petite peau. Ça va pas trop mal pour une première fois. J'ai un aileron ici. Le deuxième est là, donc je continue d'arracher. Voilà, l'extérieur me paraît pas mal. Hop là. Bon, ça c'est bien. Un petit peu là encore. Ensuite, il faut nettoyer l'intérieur, il faut essayer de retourner comme une chaussette. Mais avant, il y a une partie transparente, c'est son os, son cartilage. Hop là, ah oui, dis donc, on dirait du plastique, pas mal. Et là, je vais essayer de la retourner. Le craquera de l'intérieur comme une chaussette. Je pense que l'eau aide à faire glisser un peu le corps. Après on peut la couper, mais moi c'est parce que j'aime bien le faire en anneau. Donc voilà, j'enlève hein. Truc gluant, il y a des trucs qui collent. Je pense qu'on est bien, l'intérieur est propre. Bon, ça paraît moins difficile que prévu. On va peut-être en manger plus souvent. Voilà, mon corps est nettoyé. Donc là, il est sur l'envers. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ramassé à l'intérieur? Je ne sais pas. Ça ne doit pas se manger, ces trucs-là. Ça me paraît un peu mollasse, j'ai pas envie de manger ça. On a les ailerons qui eux se mangent aussi, donc pareil, on les pèle, on essaye. Voilà. Ok. Non, ça va plutôt bien. Un petit peu d'ongle pour décoller. Un aileron, on peut faire des petites lanières, des petits nids, comme on veut. Je sais pas si ça s'enlève ça là. Dans le doute, hop. Le deuxième, pareil. Après, la tête. Alors, il faut enlever les yeux. Donc ça, je pense que c'est du boyau aussi. Ça ne doit pas se manger. Voilà.
vais prendre un petit couteau, enlever ça. Ah, tiens, ça c'était l'encre. Il faut que je trouve le bec. Mais il a dû partir avec, il n'y a plus rien de dur. J'enlève encore les bouts de peau. Là. Et ma foi, je crois que c'est pas mal. On peut peler les tentacules aussi. Voilà. Bon, celui-là il veut pas. On en laisse. Voilà. Les deux gros tentacules, ça doit se manger aussi, hein. C'est la même matière. Et voilà.